Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mass Effect 3. On va donc continuer l'histoire, tout simplement. En train de me dire que j'entends pas grand chose, mais voilà ça. La musique était calme, c'est pour ça. Voilà donc, fermeture du serveur gate et sauver l'amiral. On va devoir fermer le serveur gate. Je crois que c'est ce que j'avais dit la dernière fois. On change pas une équipe. Enfin, j'allais dire, on ne change pas une équipe qui gagne, oui et non. On va bien prendre Tali cette fois-ci. Parce qu'on est quand même sur sa planète, hein, donc on va remplacer Garrus par Tali. Oui, on garde l'IRA avec nous, bien entendu. Compris, Amiral Rahn. Nous sommes presque au serveur. Tenez-nous informés. Situation. Les guettes ne nous ont toujours pas repérés. Une fois dans le serveur, la situation sera sans doute différente. Dans le serveur? Il fait quelle taille? Vous m'avez mal compris. Une interaction virtuelle directe est nécessaire pour éliminer les guettes du serveur. Vous devez pénétrer dans le consensus. Vous voulez que j'aie une interaction virtuelle avec le guette? Vous vous rendez compte? Vous parlez d'un monde virtuel bâti par des synthétiques hostiles. Des guettes hostiles. C'est de la folie. Je suis pas une machine. Je peux pas entrer dans un monde virtuel. Vous devez être familier avec les interfaces virtuelles. Vous en avez déjà vu sur le projet Suprématie. J'ai surtout vu le résultat. Un hybride IA humain avec des rêves de domination. Nous avons amélioré l'interface en utilisant l'équipement du Normandie. Nous vous demandons de nous faire confiance. Légion, vous avez toute ma confiance, même si je comprends pas pourquoi vous avez besoin de moi. Vous êtes un facteur inconnu pour les guettes. C'est un avantage. Ils n'ont pas l'habitude des processus de pensée organique. Nous allons créer une diversion dans le système. Pendant ce temps, vous éliminerez les guettes du serveur pour neutraliser les escadrons. Si ça peut sauver les vaisseaux agricoles, faut essayer. Les données télémétriques de cette opération indiquent de fortes chances de succès. Le temps presse. Atterrissez. Nous allons contourner la sécurité. Attendez, vous allez pas faire ça. Bon, on va se poser près de cette falaise. Si, il l'a fait, tranquille. C'est parti. Attendez un peu plus d'action directe, mais... Après avoir vu qu'ils nous ont pas encore repérés, ce n'est pas grave. Heureusement qu'il est reconnaissable, parce que sinon, j'ta! C'est tout? Oui. Les escadrons de chasseurs guettes hostiles sont reliés à ce serveur. En raison des ressources limitées, il vaut mieux vous connecter seul. Ok. Un peu dommage pour les deux autres, mais au moins elles me serviront de garde du corps avec toi. Trois personnes pour me protéger pendant que je suis dans le serveur, ça devrait être bon. Initialisation de l'intégration réseau. Rendez-vous au port d'embarquement. Ok, non, il doit aussi se connecter, je pense, lui. J'ai bien compris, pour faire la fameuse diversion. Donc il y aura deux gardes et deux personnes à l'intérieur. Recherche du consensus. Ne bougez pas. Administrateur Shepard, ne bougez pas pendant le téléchargement. Bouge quand même les yeux.
Administrateur Shepard, votre intégration est terminée. Bienvenue dans notre consensus. Ok. C'est quoi ce truc? Voilà, on voit bien qu'il y a... Nous avons installé des filtres pour vous permettre de visualiser les données brutes de ce serveur sous la forme d'un environnement familier. Familier? Familier, c'est vite dit. Où êtes-vous? Ici. Vous avez l'air différent. Nous avons modifié notre apparence pour faciliter votre adaptation. Et les guettes qui sont déjà sur le serveur? Les guettes vous apparaîtront sous la forme de vidéos de sécurité, de fichiers audio ou d'archives de capteurs. Sur ce serveur, les corps physiques nous sont inutiles. Ce matériel n'est qu'un outil. Notre monde est ici. Plus nous tuerons de guettes, plus il fera sombre. Et si on éteint toutes les lumières, que se passera-t-il pour les guettes dans le monde réel? Les chasseurs guettes communiquent avec leur vaisseau mère grâce à ce serveur. Nous allons couper cette connexion. Il n'y aura ni transfert, ni sauvegarde. Ce serveur sera réduit au silence. En clair, ça revient à raser une ville entière, non? Nous n'avons pas le choix. C'est une question de survie. Il y a 2 terminaux de stockage sur ce serveur. Nous devons les désactiver pour neutraliser les escadrons de chasseurs. Nous devons rester ici pour protéger la sortie. Mais nous pourrons vous aider à distance. Donc, de l'aide à distance et des protections extérieures. Ok, je note. Connexion au point d'accès en cours. Je peux quand même récupérer mon arme. Avoir mon arme, s'il vous plaît. Hein? Dès que je fais ça, je peux pas. Donc, j'ai obligatoirement dû utiliser celle-ci. Ok. Pour l'instant... tranquille. Hein. Attention, connexion bloquée par du code infecté. Employez notre logiciel de combat pour neutraliser l'infection. Je me demandais à quoi servait le flingue. Ce code étranger est une manifestation du signal de l'ancienne machine. Vous êtes surpris que les moissonneurs soient partout dans vos serveurs? Nous n'avons pas anticipé une infection si étendue. J'avais envie. J'espère juste que je retrouverai des mimiques d'entre temps. Ok, j'ai une question. Pourquoi une arme? Nous avons souhaité vous fournir un équipement familier. Eh bien, merci. Voilà. Moi, je suis sûr que... soit un peu éliminé. Je récupère les mimunes régulièrement, ça va. Par où? Je vais bien, mais il y en a encore par là. Ah, c'est juste un truc qui tourne, ok. Pratique. Connexion établie. Continuez vers le point d'accès. Connexion vers le terminal de communication en cours. Erreur. Accès refusé. Le moissonneur vous refuse l'accès? Nous l'ignorons. Veuillez enquêter. Ok. C'est en plus à moi de le faire. Oui, je le repousse. Et vu que les mumunes sont infinies, on en profite, hein. Attention, moissonneur détecté. Le serveur contient du code infecté. Demande d'accès pour continuer. Je crois que je l'ai nettoyé ton serveur. Là, ça fera rien. Un fragment de code des moissonneurs. Voyons si je peux l'emporter. Ok. Connexion
sais, j'abuse. Mais je m'en fous. Allez, dégage-toi. Poussera pas. Accès au serveur. C'est quoi ça? Les serveurs contiennent des données historiques. Votre connexion permet de consulter nos archives en continu. Vous voulez vraiment renommer les réseaux IV? Tout à fait. La création des unités mobiles mérite bien une petite cérémonie, non? Unité 01, comment dit-on serviteur du peuple en kélique? Je crois que le mot est Get, créateur Zach. Oui, c'est parfait. Calmez-vous un peu, voyons. Dixit, celle qui a passé la nuit à travailler sur les circuits de 01? Oui, il fallait refaire les soudures. Ok. On va donc devoir... C'est une vieille vidéo, non? Voilà. Pourquoi les Cariens sont-ils masqués? Les données sont altérées par votre perception. Avez-vous jamais vu de créateur sans masque? Oui, sans doute. Par là, normalement. Oui, en effet. Là, on est trop loin. Ok. On aura pas tout éliminé. Vous devez neutraliser l'infection de ce serveur pour continuer. Ah, ça c'est pas le but de tout éliminer. Je vais libérer le passage. Juste moi qui aime bien éliminer tout. Dégage, petit moissonneur. Ah, code de, du moissonneur. Voilà. Parce qu'on a, on a quand même un petit bruit de moissonneur. Hein, ça. On peut pas y aller, pourquoi? Vous devez neutraliser l'infection de ce serveur pour continuer. Ok. Alors, ne me montre pas un chemin d'accès pour le moment, alors. Je vais nécessairement regarder pourquoi je peux pas y aller. Ce serveur contient des informations horodatées de 290 ans. Créateur, cette unité ne détecte aucune défaillance. Elle peut encore servir. Vous voyez, elle ignore la commande d'arrêt. Si d'aventure vous estimez que nous avons échoué, vous pouvez nous reprogrammer. Bon, jetons un coup d'œil. Créateur, cette unité est prête à vous servir. Quel est le problème? Coupons le son. Vous pouvez passer au dernier serveur. Le passage était par ici. Accès au serveur. On a des fugitifs guettes, ils sont coincés. Ouvrez le feu. L'un d'eux attrape une arme. Alors, qui a gagné? La plateforme rebelle était une unité agricole. En ouvrant le feu sur les créateurs hostiles, elle a sauvé les guettes domestiques qui la suivaient. Ça ressemble beaucoup à votre ancien fusil de précision. C'est un modèle efficace. Connexion au dernier terminal en cours. Ok. Ah. Techniquement, oui. Que se passe-t-il, Amiral Rahn?
Les escadrons Get sont là, mais il y a un problème. La moitié de leurs chasseurs est à l'arrêt. Nous allons essayer de tenir le coup. C'est bien, c'est que ce qu'on fait est efficace. Légion, au rapport. Il reste en terminal. Nous essayons actuellement de stopper la propagation de l'épidémie. Un problème ? L'infection se propage. Nous sommes de nouveau stables. Continuez. Pour l'administrateur Shepard, le code des moissonneurs s'est adapté. Il peut se multiplier. Elle récupère ? Oui. Cependant, s'attaquer au point faible de l'infection devrait permettre de ralentir son développement. Traduction, administrateur Shepard, ciblez les points faibles de l'infection pour ralentir sa multiplication. Ah oui, là c'est trop loin, clairement. Traduction, il y a un autre endroit où on peut éliminer du code moissonneur. Bon. C'est l'endroit où je peux aller. Vous devez trouver le point faible de l'infection. Ralentissez la multiplication de l'infection en la ciblant. Ah oui, bah, bien, mais... Il y a un point faible plus loin dans l'infection. Ciblez ce point pour ralentir sa progression vers le serveur. Ah, voilà. Juste que j'étais pas assez loin sur la plateforme. Je pourrais l'atteindre. Qu'à pas tout de suite. En fait, non, ils sont déjà ça. Comment ça, je mitraille? Nous demandons l'accès à ce serveur. Neutralisez l'infection pour l'infection à un point faible menant au serveur. Neutralisez l'infection à cet endroit. Ça ralentira sa multiplication assez longtemps pour accéder au serveur. Administrateur Shepard, ciblez les points faibles de l'infection pour ralentir sa multiplication. Ah, c'est fait. Aucun un autre. Ah, si c'est ceci. Mais on avait deux, le petit coquin. Oh, je suis juste à côté, hein. Ouh, merci. Voilà. En mitraillant, ça va plus vite. Vous devez trouver le point faible de la friction. Ah oui, il est là, t'inquiète. La multiplication de la vérifier si c'était nécessaire. Ah. Allez, mon grand. Dégagez!
Vous n'avez pas le droit de leur faire ça! Je vous demande de vous éloigner! C'est insensé! Nous avons besoin des guettes! Vous ne pouvez pas les détruire parce que... Ah! Fermez-la! Jetez-la avec les autres! On dirait que la guerre n'était pas du goût de tout le monde. Nous avons gardé les enregistrements du sacrifice de ces créateurs. Ils ont été largement oubliés par leur propre peuple, mais pas par les guettes. C'est déjà bien, ça. À travers eux, ils vivront éternellement, en quelque sorte. Enfin, si les guettes ne disparaissent pas, logique. Allez. On est toi, on est toi. Ça nous amène bon ça. Connecter sans accéder à ce serveur. Parce que il y a un point faible plus loin dans l'affection. Cibler ce point pour ralentir sa progression vers le serveur. Je vais éliminer un peu plus, mais bon, c'est pas grave. On fera 100. Ok. Là, ça doit être bon. Bon, est-ce que ce sera bon cette fois-ci? C'est bon, parfait. Voilà, mon grand. Petit nettoyage des prêtres. Allez. L'infection a un point faible menant au serveur. Neutralisez l'infection à cet endroit. Ça ralentira sa multiplication assez longtemps pour accéder au serveur. Ok. Allez, attends. On est toi, on est toi. Administrateur Shepard. Ah, et encore les points faibles de l'infection pour ralentir sa multiplication. Ah, ben là, je l'avais pas vu. Fallait lever la caméra. Parce que je peux pas avoir le dernier carré. Hein. Non, il veut pas. Je veux vraiment avoir ce dernier carré. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, bon, lui, c'est sûr et certain, je pourrais pas l'avoir. Est-ce que c'est ça? Je devrais pouvoir l'avoir. Les nouvelles données trouvées, ces données proviennent de la période pendant laquelle les créateurs ont décrété la loi martiale. Et sortez immédiatement. Dernier avertissement. Créateur Megara, cette unité ne comprend pas. Elle n'a pas participé aux hostilités. Pour eux, ça ne changera rien. Je dois te faire sortir de là. Ce conflit compromet votre sécurité. Notre destruction matérielle est sans importance si elle permet un retour à la paix. Non, ne t'en fais pas. Tout ira bien. Nous allons retourner au tunnel. Créateur Megara, quelle est votre situation? Créateur Megara? Plus le temps passait, plus les créateurs opposés à la loi martiale sur Rannoch étaient minoritaires. Tu m'étonnes quand ils étaient éliminés, purement et simplement. Ça donnait pas vraiment envie de se rebeller. Hein. Surtout bah, ceux qui, au fur et à mesure, ceux qui avaient l'habitude des guettes, en tant que gentils, bah, étaient de moins en moins nombreux. Et les prochains enfants étaient complètement... éduqué dans le sens où bah, les guettes étaient mauvais. Ok, par contre, je sais pas où aller. Par là ? Je ne sais pas où aller. Est-ce que... Non. Je
ne sais toujours où aller. Où est le passage? Ce passage est là? Ouais. Lecture des données. Ce sont des données datant de la fin des combats sur Rannoch. L'Austral est touché. N'attaquez pas les guettes. Je répète, n'attaquez pas les guettes. Les guettes abandonnent la poursuite près de Rannoch. Capitaine, tous vers le relais cosmodésique. Cette vidéo est ancienne, non? Elle date de 290 ans. C'est l'exode des créateurs vers la fin de la guerre de l'éveil. Nous avions gagné notre liberté. Les créateurs ne constituaient plus une menace. Attendez, les guettes ont épargné les derniers cariens? Notre espèce venait de naître. Nous ignorions les conséquences de la destruction d'une espèce, de nos créateurs. Nous avons préféré l'isolement à l'incertitude. Données supplémentaires récupérées. Légion ? Mais c'est le moment où je vous ai activé sur le Normandie. Oui. Vous vous souvenez de notre rencontre ? C'est un moment important. Depuis la fin de la guerre de l'éveil, aucun autre organique n'avait coopéré ouvertement avec les guettes. Nous espérons que d'autres suivront votre exemple. Ce ne sera pas facile. Non, mais la possibilité existe. Une fois les moissonneurs éliminés, guettes et créateurs seront peut-être réunifiés. Est-ce que vous croyez que ça pourrait être encore possible ? L'espoir permet aux organiques de surmonter toutes les difficultés. Nous admirons ce concept. Connexion avec le dernier terminal établi. Nous sommes prêts à vous transporter. Il se passe quelque chose d'étrange. Accès à la racine obtenu. Suppression de toutes les connexions à ce terminal de communication. Aucun guette ne réside sur ce serveur. Nous pouvons à présent sortir du consensus. Un problème ? Dirigez-vous vers la sortie et déconnectez-vous du serveur. Nous nous déconnecterons lors du prochain épisode. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un pouce bleu et à partager la vidéo. N'hésitez également pas à activer la cloche de notification afin d'être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Et bien entendu, d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye.